Je reviens du chagrin, de l'angoisse, de l'espérance aussi. Et dans ce lieu-là, j'ai acquis une certitude que je voudrais vous transmettre. La résistance à l'oubli. Ne jamais admettre. Ne jamais lâcher prise. C'est notre seule arme et je crois en sa force. Les otages, les disparus, les prisonniers politiques ont eu le courage de poser des actes, de défendre des idées ou des idéaux qui les ont mis en danger. C'est à nous, puisqu'ils ont été réduits au silence, de prendre le relais, de continuer ce qu'ils ont entrepris. Être là pour dénoncer l'injustice et ne pas tolérer l'intolérable. Dans ce combat-là, les plus petites voix font un bruit assourdissant. Il n'y a d'ailleurs pas de petites voix. Nous savons que ceux qui nous font face ont besoin d'impunité et de silence. Ne leur accordons jamais cela. Nous n'avons pas de fusil et nous n'en voulons pas. Mais nous avons avec nous la force violente de la vérité exigée, du jamais plus, de l'indignation. Et je suis sûre de son efficacité. Elle empêche le pire d'arriver ou de recommencer. Je crois vraiment au harcèlement positif et généreux. Ne jamais admettre.